nous sommes en face d'une grande station de pompage qui irrigue 100 hectares en une heure. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, on voit des canalisations. Je donne des canalisations. Il y a des tuyaux galvanisés qui sont peints en violet. Après, vous verrez le système de filtration. Ça, c'est le filtre à mailles de 150 microns. Ça permet quoi? De filtrer tous les déchets qui sont dans l'eau d'irrigation. Alors, suite à ça, vous avez des vannes qui sont des homéopathes. Si bien que tu peux être en Chine, tu peux être au Bénin, tu peux être dans un milieu très reculé, je peux irriguer quel que soit là où je suis, n'importe où que je sois, devant des tanks de fertigation. Alors, ici, nous faisons. Suivez-moi s'il vous plaît. Je fais différents tanks là. Nous faisons la fertigation. Qui n'est rien d'autre que la fertilisation dans l'eau d'irrigation. Alors, nous mettons tout le mélange d'engrais, toutes les compositions chimiques dans cet tank-là que vous voyez. Nous voilà en train d'arroser des plantes. Des orangers, agrofruits, sucrés, très esculentus. Venez voir avec moi. Venez voir, c'est ça. Vous pouvez manger. Vous pouvez manger. Il n'y a rien de dangereux à cela. Très succulent. Et d'ailleurs, nos fruits sont très appréciés sur le marché international. Venez voir les tuyaux d'irrigation. C'est tout ça. Donc, l'installation est faite sur 100 hectares. Venez, suivez-moi. Exceptionnelle. Les fruits donnent tout leur potentiel génétique. Toute la production elle est meilleure. Nous ne plaignons pas de mauvais rendement ici, non. Ici, chaque jour que Dieu fait, on a des meilleures récoltes, de meilleures productions, de meilleurs rendements au top. Chaque année.